Peut-on parler encore de liberté d'expression face à la rhétorique particulièrement violente de Freeze Corleone? Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est considéré comme l'une des stars montantes du rap français. Plus de 5 millions d'écoutes en moins de 24 heures pour son dernier album et une obsession dans ses différents clips. Hitler ou encore le terroriste Mola Omar qu'il glorifie, la LICRA qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a fait une compilation de ses punchlines. Quartier squelette, je vois le mécanisme homique ultra violent comme orange mécanique. Prod, j'enchaîne les cadavres, série d'élimination, GDU, AVD, ADAV. Parler au port, c'est jamais. J'ai les blindages parce qu'on sait jamais. J'ai mes royalties, mes droits d'auteur. Je consomme comme si j'avais trois moteurs. 667 CBF, plus de gaz que GDF. Les sommets sont mal de CDF. Et sur le flemme à quoi dans les avions de terre. Vision à long terme, j'ai fumé des camions de terre. Je crois qu'en Dieu et je fais confiance à ma logique. Défense tactique, accélération analogique. Je me sens comme Killua dans Hunter X Hunter. La mort pour les pédos comme Joe Biden et son fils Hunter. J'arrive fonce au shit comme à Tanger. Je peux pas mort demain, personne me donne à manger. Je me rappelle la première fois que je suis passé à Sanger. Je me rappelle quand les gens ont commencé à changer. 9-3 de général, gros terre au quartier général. J'ai le fond du complot négro et saut au général. Lunettes quartier comme 42. Rafale comme dans Battlefield 2042. Équipe. À chaque fois qu'il sort un ouvrage, enfin un album, il essaie de le faire par exemple le 11 septembre. Là, son autre album, il voulait le sortir le 7 janvier. Toujours en lien avec des événements dramatiques, terroristes. Que je découpe, négro, je fais pas des slams. Inch'Allah, quand je canne, je goûte pas les flammes. Vrai négro, pas de rap artificiel. Je vois chaque prod comme un agneau sacrificiel. L'attaque des clones provoque des pertes de Louis. Xanax comme la tête de Stewie. Linge bois d'élite, toi amateur, moi élite. Je m'embarque tout droit dans ma ligne, la voix est libre. S.O.B. Ryan, Mamba mentalité, R.E.P. Kobe Bryant. J'pense aux petites variables, Méline Taillade, Folie Chief Diam, le beef de Will I Am. J'suis le plan, mentalement. J'conduis comme un vieux blanc allemand. J'passe la vitesse, négro, j'monte de niveau. Static frozen, j'ai des blocs de pivot. Négro. Alarme instantanée quand je déclenche. La verte est violette, la cendre est blanche. Je reste vrai jusqu'à ce que je sois entre des planches. J'ai été matrixé par Matrix. Audi A7 avec les phares Matrix. J'fume la génétique et j'fume le clonage. Je me sens comme Gucci Mane avant le clonage. Et que je découpe, négro, je fais pas des slams. Inch'Allah, quand je canne, je goûte pas les flammes. Vrai négro, pas de rap artificiel. Je vois chaque prod comme un agneau sacrificiel. L'attaque des clones provoque des pertes de Louis. Xanax comme la tête de Stewie. Linge bois d'élite, toi amateur, moi élite. Je m'embarque tout droit dans ma ligne, la voix est libre. Découpe négro, je fais pas des slams. Inch'Allah, quand je canne, je goûte pas les flammes. Vrai négro, pas de rap artificiel. Je vois chaque prod comme un agneau sacrificiel. L'attaque des clones provoque des pertes de Louis. Xanax comme la tête de Stewie. Linge bois d'élite, toi amateur, moi élite. Je m'embarque tout droit dans ma ligne, la voix est libre. Que je découpe négro, je fais pas des slams. Inch'Allah, quand je canne, je goûte pas les flammes. Vrai négro, pas de rap artificiel. Je vois chaque prod comme un agneau sacrificiel. L'attaque des clones provoque des pertes de Louis. Xanax comme la tête de Stewie. Linge bois d'élite, toi amateur, moi élite. Je m'embarque tout droit dans ma ligne, la voix est libre. Il passe assez jeune, parce que ce rappeur a été distribué à la FNAC, hein, jusqu'à ce que la FNAC, il y a deux semaines, sans expliquer pourquoi, peut-être sentant la polémique, décide de retirer l'album de ce rappeur. On arrête rappeur. La complaisance. Qu'est-ce qu'on fait ? On assume le fait que derrière cette installation dans notre paysage de ce discours, il y a vraiment une propagande idéologique qui est faite, on sait par qui elle. Justement informé, vous savez que ce monsieur n'arrive pas de la planète Mars, il arrive dans un contexte qui existe. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier. Non, mais il n'est pas le premier à tenir ses propos. Je vous ai référencé deux données. Il n'est pas le premier à rencontrer un public. Autant j'arrive, si vous voulez, je comprends le semaine de données tellement expliqué que c'est bon, on le comprend. Là, je dis c'est un artiste. Artiste, entre guillemets, que je découvre, j'essaie de comprendre quelle est son influence, quelle est sa portée aujourd'hui chez les jeunes. Je n'en sais strictement rien. C'est en soi que je dis. Il a une influence. Sur le contexte, on est 100% d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais je vais poser ma question parce que c'est quand même important. Parce que certains fans ont dit, mais écoutez, il s'exprime, c'est de la musique. Et tous ceux qui disent je suis Charlie, ce qui est sûr, c'est que sur toutes les questions, sur toutes les questions d'antisémitisme, de Shoah, etc., nous devons être un, intraitables. Deux, il doit y avoir un travail d'éducation, d'explication, fait et refait sans relâche dans les écoles, dans les médias. Voilà. Le mythe de Sisyphe en perd. Absolument. Voilà, et c'est là-dessus, je pense qu'on va tous être d'accord. Oui, il réussit, j'espère. Sisyphe qui arrive à mettre le caillou en haut quand même. Voilà.